Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul Sephora Gold et d'autres petits achats. J'ai quand même été semi-raisonnable, hein. Vous avez vu que dans ma dernière vidéo budget planner, j'avais quand même pas mal économisé ces derniers temps. Et alors que je ne pensais pas vraiment du tout, hein. Mais mes derniers achats sont en mode utilité. Vous allez comprendre, j'ai déjà craqué deux fois sur le site de Les Secrets de Loli, puisque c'est ma routine cheveux. Là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc c'est encore un peu raplapla. Mais je trouve que le deuxième jour, c'est là où mes cheveux sont le plus jolis, sont plus beaux, puisque mes boucles sont beaucoup mieux formées. Là, je les ai remouillées un petit peu, remis un petit peu de gel. Voilà, je vous expliquerai, mais en fait pendant quelques mois j'ai tenté, enfin pendant 2-3 mois j'ai tenté d'utiliser les produits de boucle que j'avais en stock mais qui n'étaient pas Les Secrets de Loli, et en fait je trouvais mes cheveux vraiment horribles. Du coup j'ai fini par arrêter de tester d'autres produits et revenir sur mon basique Les Secrets de Loli, et donc j'ai passé 2 commandes à chaque fois avec des codes promo ou des offres spéciales, mais je vous en parle après. J'ai aussi commandé sur le site Beauty Ride pour avoir une nouvelle palette avec leur nouveau fard. Et j'ai commandé chez Sephora. Je vous laisse tout de suite avec l'unboxing Beauty Ride, puisque je voulais un petit peu vous montrer comment c'était emballé quand on reçoit un colis Beauty Ride. C'est super bien protégé. Et en fait, vous choisissez votre nombre de fards que vous voulez, votre palette si vous voulez. Et donc, moi, j'ai pris, je crois, 18 ou 12. Je ne sais même plus. En tout cas, j'ai choisi la plus petite palette, puisqu'il y en a une plus grande. Et tous leurs nouveaux fards, puisque bah, ils viennent de sortir il y a 2 mois, je pense. Et moi, j'aime bien avoir leurs nouveautés parce que j'aime beaucoup leurs fards. Vous l'avez vu, c'est super bien emballé, super bien protégé. Donc la palette, elle se présente comme ça. Et vous avez même la petite clé, entre guillemets, pour pouvoir dépoter vos fards et les remettre dans l'ordre que vous voulez. Moi, je les ai mis dans un ordre qui me plaisait. Mais après, vous faites comme vous voulez. Donc j'ai pris beaucoup, beaucoup de lumineux, vous le voyez. Et ici, il n'y a que 3 fards mat. Et ça, c'est des nouveaux fards qui sont un petit peu à effet, un peu style métallisé, chromé. C'est pas forcément des duochromes, hein, mais ils sont très très beaux. Donc je les ai pas encore, je les ai swatchés et tout, hein. Je vous mets de toute façon la vidéo que j'ai faite, mais je les trouve quand même très 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 beaux comme ça. Je les pensais un peu plus intenses, je vous avoue, mais j'ai hâte maintenant de les utiliser sur mes yeux, parce que je les ai pas encore utilisés. J'ai juste swatché, j'ai mis en place les fards, mais j'ai pas utilisé. Donc voilà, c'est ma 3e palette Beauty Wide dans ce style. Honnêtement, je suis une grande grande fan. J'avais reçu, je crois, la première en partenariat, ou quelques produits en partenariat au tout début. Et puis après, bah, vous voyez, j'ai continué à acheter. Là, j'avais utilisé un code de Black Friday, je crois, de -20% pour avoir une petite réduction quand même, c'est pas négligeable. Chez Sephora, hyper déçu et contente en même temps, vous allez comprendre. Regardez l'état du paquet. Alors, je sais pas si vous verrez, il a pris l'eau en fait. Le truc a été complètement miteux quand on l'a reçu. Donc ça, je vais faire réclamation parce que vraiment ça m'énervait. D'ailleurs, il y a un produit que je dois offrir à l'intérieur qui est abîmé. Donc ça m'énerve. Là, regardez, je sais pas si vous verrez. Regardez dans quel état il est, le colis. On voit qu'il a pris l'eau. Je devais le recevoir mercredi. Finalement, on m'a dit bah le colis n'est pas livrable, genre comme si c'était ma faute alors que j'étais là. Et je pense que c'est parce que la personne, elle a dû la laisser dans l'eau, je sais pas quoi, qu'il a pris l'eau et il s'est dit on va attendre un autre jour pour le livrer, pour que ça ait séché. Je pense que c'est ça en fait. Donc j'étais un peu deg. Heureusement, tous les pas. Alors un énorme colis pour ça seulement, vous voyez. Donc ça se baladait encore une fois n'importe comment à l'intérieur. Et en fait, le produit qui s'est abîmé, c'est celui-ci. C'est un cadeau pour mon mari pour Noël. Et en fait, bah, il est. Après, en soi, c'est pas dramatique, mais
c'est quand même pour offrir. Il est abîmé, en fait, il a été mouillé, je pense. Donc tous les corps, tous les bords là, ils sont complètement mouillés et un peu, vous savez, bah, c'est du papier, donc un peu comme ça. Donc je suis un peu deg. Bon, c'est un soin pour lui, pour son visage, hydratant, qu'il adore, de chez Biotherm Homme. Donc je voulais lui en racheter un grand en stock, comme ça il en avait un pour Noël. Mais bon, il l'a vu du coup, parce que c'est lui qui a ouvert le colis. Oh mon dieu, ton colis il est tout sale, tout abîmé. Bon, il l'a vu, donc il n'y a plus de surprise. Sous les conseils de ma copine abonnée Céline, elle m'a dit que le fond de teint Fenty, alors le Profilter je crois, et la base Fenty, c'était canon, qu'elle avait un teint super beau et tout ça, donc elle m'a donné envie de tester. Donc oui, vous aussi, vous me faites tester les choses. Donc j'ai pris la base en petit format de chez Fenty, du coup c'est la Profilter base hydratante. Je pense qu'à un moment donné, je l'avais en miniature et ne voulant pas la tester, j'avais dû la vendre ou la donner ou... Je pense, hein, parce que ça me dit quelque chose, et c'est la Soft Silk. Donc je l'ai pris en miniature. Le fond de teint, j'arrivais pas à trouver ma teinte sur le site. Du coup, je suis allée en magasin, mais j'ai pas eu les moins 25%. J'ai juste pris un échantillon pour tester. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc j'ai pas mis la base en dessous, puisque bah, je l'avais pas encore reçu. Et il s'oxyde beaucoup. Donc là, j'ai pris une teinte qui était un peu plus claire, comme ça. Comme il s'oxyde, bah, ça, c'est ma carnation. Elle m'a dit qu'avec la base, il s'oxydait plus. Donc on verra, du coup, je testerai avant de reprendre le fond de teint. Mais c'est vrai que ce que j'aime sur ce fond de teint, alors je sais pas si vous allez voir, mais au niveau des pores de mon nez, c'est nickel. Parce que moi, les fonds de teint, parfois ça fait un peu dégueulasse à ce niveau-là. Et en fin de journée, n'en parlons pas. Et j'ai beau mettre des choses, des bases en dessous, des trucs. Alors souvent, les fonds de teint, ils tiennent pas. Donc là, il est plutôt pas mal. Et pour une peau sèche, il est plutôt pas mal. Moi, j'ai une peau... mixte à sèche, j'ai quand même voilà, des plaques de sécheresse par moment. Et là je trouve que pour l'instant ça va. Donc je suis plutôt conquise du fond de teint. Donc ça fait ma deuxième utilisation. J'ai un échantillon qui va me permettre de l'utiliser, je pense, une semaine. Donc je vais tester ça avec la base, sans la base, etc. Et puis je verrai si je l'achète. Donc là j'ai plus de code promo, mais je regarderai un petit peu sur Vinted ou quoi. Et puis je l'achèterai sûrement plus tard. Mais en attendant, j'ai quand même pris un autre fond de teint, parce que n'étant pas sûre de pouvoir le tester, le Fenty, j'avais envie de tester le nouveau Prada. Donc oui, j'ai un peu craqué mon slip quand même, parce qu'il coûte 60€ je crois, sans réduction. C'est un fond de teint rechargeable. J'ai eu plus, c'était plus facile de choisir sa teinte. Là j'ai pris le LN25 Light Neutral, ce qui est à peu près mes teintes habituelles. Et je pense que vu la couleur, ça a l'air d'aller, donc je pense pas m'être trompée. Il est beau, je trouve. J'espère juste, alors j'en ai entendu du bien, donc j'espère juste que je me suis pas trompée. Je vais pouvoir ainsi le tester aussi, comparer. Dites-moi si vous voulez une vidéo du coup crash test avec mes petites nouveautés. Ça peut être pas mal de tester ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait en mode make-up blabla. En plus, ce sera l'occasion de papoter ensemble. Et peut-être pour janvier, hein, comme je vous ai dit, au mois de décembre, je suis un peu moins régulière parce que les vues, c'est n'importe quoi. Donc peut-être pour janvier. Et le dernier craquage qui me faisait envie aussi, c'est un blush de chez Valentino, le Dual Use Blush and Eyeshadow. Ah, je savais pas, tiens, que c'était aussi fard à paupières. Bon, moi je l'ai pris en mode blush. Honnêtement, il me donnait vraiment très envie. Pareil, je crois qu'il coûtait 49€, je pense, sans réduction. Donc heureusement, il y avait les moins 25%. C'est la teinte 02 Very Rose. Mais je suis un peu déçue du packaging, je vous avouerai. Alors certes, il est beau comme ça, hein, tout léger, en mode vraiment plastoc, vous voyez, plastoc un peu bas de gamme. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, bon, ça reste un joli packaging. Ils ont fait un petit effet à l'intérieur. Alors, je sais pas si vous allez voir, le pinceau, il est là, là, en fait, dans le rond, l'espèce de rond, là. À l'intérieur, il y a un petit pinceau. Bon. Soit, hein, pourquoi pas. C'est vraiment un tout petit pinceau qui a l'air un peu fluffy, donc pour faire l'effet blush. La couleur a l'air pas mal, un peu peut-être peps, je m'attendais pas aussi peps. On verra, je testerai. Donc si vous voulez le voir en action, bah dites-moi dans une vidéo. En tout cas, après c'est un beau. Alors j'avais peur qu'il soit cassé vu le format du colis, mais non. Heureusement, c'est pas arrivé cassé. Donc ça, c'est pour mes 4 petits achats. J'ai reçu un échantillon voilà, des petits trucs comme ça, donc ça c'est plutôt sympa, donc ça me dérange pas, c'est cool. Et je suis contente, j'ai eu la petite étoile que tout le monde a eu, que moi j'avais pas eu encore. Donc c'est une petite étoile à mettre dans le sapin, si je ne me trompe pas. Donc ça, moi je suis contente, elle me plaît bien. Donc très très sympa, ça me plaît. Et alors les cadeaux gold en revanche sont canon, canon cette année. Alors je vous avoue que je crois que je préfère qu'ils mettent pas 50 pochons gold à chaque commande et qui réduisent à un pochon gold par commande de Sephora, mais avoir ce genre de pochon gold, parce que là ils nous ont mis quand même une palette Too Faced à l'intérieur. Donc ça,
veux dire, le pochon gold, le truc, il coûte déjà 50 balles. Alors, je l'ai déjà, malheureusement, parce que moi, vous savez, je suis une grande fan de Too Faced, donc je l'ai déjà. N'hésitez pas à me mettre d'ailleurs dans les commentaires, peut-être que je la ferai gagner à quelqu'un dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner et dans les commentaires dites-moi le petit mot, mettez-moi des petits cœurs. Voilà, comme la palette, comme ça je sais que vous êtes motivés. Alors essayez de me faire un commentaire construit, parce qu'il y en a des fois, je dis mettez le mot banane, ils mettent que le mot banane. Bah, soyez sympa, mettez-moi un commentaire construit, mettez-moi un petit mot et à l'intérieur de votre petit mot, vous glissez des petits cœurs. Ça, je saurai que vous avez envie de tester cette petite palette. Honnêtement, c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est pas ma préférée de chez Too Faced parce qu'elle est très rose, mais c'est vraiment un beau cadeau gold. Sérieusement, là, je trouve que là, vraiment, Sephora, ils se sont pas foutus de nous. Donc, bravo là pour ce coup là, Sephora, vraiment vous avez déchiré. La dernière fois il y avait eu un highlighter Too Faced, donc ça a été déjà canon. Mais là une palette comme ça Too Faced, moi je dis c'est plutôt pas mal. En plus on a un petit déodorant roll-on comme ça de chez Respire, moi je les aime beaucoup. Donc en mini comme ça c'est très bien, c'est très pratique. On a aussi une crème Shiseido Lift Fermeté qui a un format quand même de 15 ml. Donc c'est de quoi tester quand même pas mal, une crème liftante. Si ça vous sert pas, ça peut servir à votre maman, donc c'est plutôt utile. Un petit shampoing détox de chez Ouai, donc ça j'en ai déjà eu, donc ça va en faire un deuxième. Et une boule de bain à la fleur de cerisier. Donc je trouve que les cadeaux, ils sont canons. Juste mon colis, il est complètement déchiqueté. Mais sinon les cadeaux sont vraiment canons. Vous me direz ce que vous avez eu vous à votre Sephora Gold. Mais là pour une fois, je suis contente. Bon, j'ai pas eu de casse, donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Hop là, qui est de chez Les Secrets de Loli, je vais y arriver. Ma première commande était juste un... ces trois produits là qui sont mes produits préférés des Secrets de Loli, vraiment c'est mes must-have. Le shampoing j'aime bien, mais c'est pas... si je peux changer de shampoing de temps en temps, c'est pas dérangeant. J'aime beaucoup beaucoup l'après-shampoing qui s'appelle le Pink Paradise. Et alors mes grands favoris que vraiment j'ai repris là ces derniers temps pour avoir des jolies boucles, c'est le... attendez que je vous mette. Le Curl Nectar qui est une sorte de lait, un embellisseur capillaire, ils appellent ça, donc c'est un lait. Et ensuite la gelée capillaire qui s'appelle le Boost Curl que vous mettez après et qui va vraiment faire remettre bien vos boucles sans effet cartonné. Et le lait c'est vraiment côté hydratation. Donc ce combo là c'est mon favori. Si vous voulez de jolies boucles et que vous voulez pas forcément toute la routine des Secrets de Loli parce que ça coûte quand même un bras, faut se le dire, vous pouvez prendre un shampoing après shampoing que vous aimez. Et c'est ces deux là que je trouve qui font la différence sur les cheveux. Donc ça, je les ai repris. Et puis après, quand j'ai repris ça, j'avais pris aussi un petit paquet d'élastiques comme ça. C'était vraiment pour avoir les frais de port gratuits parce que je suis pas spécialement fan de ces élastiques-là, mais c'est pas grave. Et finalement, deux semaines après, ils ont sorti leur box de Noël qui sont souvent canons. Et alors, bah, je l'ai commandé parce que je me suis dit, bah, c'est des produits que j'adore. Autant me prendre la box. Ça revenait à moins cher. Je crois qu'elle était à 59 euros, je crois, la box. Si elle est encore disponible, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Il y a plusieurs types de box. Il y a pour les cheveux frisés, il y a pour les cheveux bouclés, il y a pour les enfants. Donc selon votre type de cheveux, selon ce que vous voulez, vous avez plusieurs types de box. Moi, j'ai pris pour les cheveux bouclés. Déjà, pour offrir à Noël, c'est juste canon. Si vous avez quelqu'un à gâter qui a des jolies boucles, bah voilà, c'est l'occasion. Et alors, hop, je vais réussir à l'ouvrir. Hop là. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Vous avez 4 produits, donc ça vaut extrêmement le coup. Vous avez un petit peigne, un petit protection pour les cheveux et des petites pinces. Hop, je vais essayer de vous montrer ça sans rien casser. Donc, ils ont fait ça sous forme de petit coffret trop canon, je trouve. À l'intérieur, il y a mes deux favoris. Là, je viens de vous montrer le lait capillaire et la gelée capillaire. Et ensuite, on a le shampoing et l'après-shampoing, mais qui est une autre gamme. Vous voyez, c'est la gamme, hop là. C'est cette gamme là un peu plus colorée qui s'appelle la cream, non c'est la perfect match et la cream conditioner. C'est pas cette gamme là que je préfère je vous avoue, mais c'est celle qui est faite pour les boucles. Donc bon, c'était dans l'eau. Alors je les utilise, hein, c'est ceux que j'ai utilisés aussi aujourd'hui, c'est ceux que j'ai déjà dans ma salle de bain. Mais c'est pas ceux que je préfère, au niveau des odeurs je suis pas méga fan. Mais ceux là voilà c'est mes deux must have. Et à côté j'avais un... je crois que j'avais un code promo, quelque chose comme ça, j'avais une réduction. Donc j'ai pris à côté, celui-ci c'est le tout nouveau, le Curl Fusion. Donc multi-texture crème gel et c'est adapté pour toutes les boucles. Ça sera aussi pour ma fille, moi c'est des produits, j'en ai beaucoup parce que j'utilise aussi sur ma fille quand elle n'est pas nattée, tressée.
Donc c'est l'occasion quand il y a des offres de prendre. Et puis j'avais pas mal de réductions puisque j'ai un lien de parrainage, je crois, de moins 5 euros pour vous. Et moi ça me donne 5 euros aussi de réduction que je peux cumuler. Donc c'est pas négligeable. Donc j'avais des réductions. Voici le petit peigne, donc ça permet de démêler les cheveux bouclés. Moi j'utilise pas forcément ça, mais sur ma fille ça peut être utile. Les petites pinces qui sont plutôt mignonnes. Donc je sais pas si je les utiliserai, mais peut-être sur ma fille aussi. Et le petit le petit foulard. C'est un petit foulard à mettre sur la tête pour soit faire vos bains d'huile, soit pour dormir aussi, qui est un peu en style soie. Donc pour dormir, vous savez, il est un peu élastique à ce niveau-là. Vous pouvez mettre vos boucles dedans pour dormir et ça abîme pas vos cheveux pendant la nuit. Moi je le fais pas spécialement, mais ma fille le fait puisqu'elle a des cheveux beaucoup plus afro et donc beaucoup plus secs. Donc elle en a besoin. Donc belle offre vraiment sur les secrets de Loli. Toujours, hein, tous les. À chaque Noël, ils font des box comme ça qui sont canons. Et mon dernier colis, alors c'est pas des achats, là, jusque-là je vous avais montré des achats. J'ai reçu gratuitement de la part de Stylvana des produits coréens, dont une petite palette. Et donc ça c'est cool qu'ils m'aient mis du make-up parce que ça change souvent quand ils m'envoient des produits. Ça faisait très longtemps que j'avais pas reçu de produits de leur part parce que j'avais demandé à ne plus en avoir. J'avais reçu le calendrier de l'Avent. Là de cette année qui était jusqu'à non, je vous avais fait une vidéo et du coup après j'avais dit pour l'instant pas d'autres envois parce que j'ai déjà plein de produits à tester, donc voilà. Et pour Noël ils m'ont renvoyé quand même quelques petites choses et la petite palette elle se présente comme ça et c'est plutôt sympa. C'est cruelty free, c'est multi texture, c'est la marque Glitterpedia je pense, ou Liachia je pense. Et ça se présente comme ça, regardez. Et elle est sympa, je trouve, comme petite palette. Déjà, la présentation est canon. Et ouais, j'aime bien. Effectivement, il y a l'air d'avoir des multi-textures. J'aime bien, j'ai trop hâte de la tester, ça me donne envie. C'est assez rare que les produits coréens me donnent envie, parce que souvent, c'est pas extrêmement pigmenté. Mais là, il y a des textures intéressantes. Donc, je vous en reparlerai. Et ça donne envie. Souvent, quand je vous en reparle, c'est sur Insta. Hein, d'ailleurs, restez connectés là-bas, parce que c'est souvent là-bas que je vous parle de ça. On a un produit de la marque Madagascar Santella, c'est une sorte de frais shampoo, ils appellent ça. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? À base de Santella, qui va réduire les pores, si je comprends bien. Est-ce que c'est une sorte de sérum? Je ne sais pas, mais waouh, le magnifique. Le packaging est quand même grave magnifique. Ça a l'air d'être un sérum. Hein. Je regarderai sur le site, mais je pense que c'est un sérum qui va diminuer les pores. Et alors... Je vous avoue que les produits coréens, quand j'en teste quelques-uns, je les trouve très 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 bien pour la peau. Ils sont vraiment plutôt canons. Là, on a un nettoyant, je pense, pour le visage qui va un petit peu calmer les irritations. De la marque... Alors, toujours trouver les marques, c'est compliqué. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Si je peux, je vous trouverai bien sûr les liens dans la barre d'infos si je les retrouve. Mais en tout cas, c'est un nettoyant, un gel nettoyant. Donc ça, j'utilise très très souvent des gels nettoyants pour mon visage après avoir... nettoyer d'abord avec un baume démaquillant, donc c'est très bien. On a un masque rice, donc un masque de riz à tester comme ça de la marque Yeju Korea. Et alors voyons voir à quoi il ressemble. Donc il y a la spatule à l'intérieur, ça c'est bien. Ils sont plutôt beaux les packaging, hein. C'est très 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 sympa. Donc c'est un gros format. Ouh. Ah mince, toujours n'importe quoi. Donc ça a l'air un petit peu laiteux et avec des petits morceaux, ça donne envie. Ça a l'air d'être super super hydratant, ça me donne bien envie de tester. Donc c'est cool. Ça c'est un produit qu'on reçoit souvent de la marque Skin 1004. C'est une crème avec un SPF 50, donc ça je vais le garder de côté. Je sais que c'est une très bonne marque et c'est un produit qu'on reçoit souvent, qui est une référence pour avoir des protections solaires, donc c'est très bien. On a aussi un produit à base de niacinamide et... alors qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être aussi un après solaire de la marque Sunbeam. Hop, ça se présente comme ça. Et alors, ouais, je pense que c'est une crème solaire un peu base hydratante, non comédogène, et testée cliniquement. Écoutez, à tester. Je ne vais pas tout tester évidemment, hein. Il y a des choses que je donnerais. Mais là, à base de niacinamide, ça m'intrigue. Ça m'intrigue, ça peut être intéressant. Et il nous reste deux petits produits pour la routine. Alors qu'est-ce qu'on nous a mis? Ah, ça c'est trop bien. Ça, je suis super contente. Bah du coup, je vais pouvoir associer ça et ça. Voilà, ça c'est mon genre de routine. Un démaquillant. Donc là, c'est une huile démaquillante. C'est trop bien, de la marque Manio. Et le nettoyant. Donc ça va être parfait.
On va regarder tout de suite parce que je vais la glisser, je pense, dans ma salle de bain direct. C'est marrant comment ça s'ouvre, regardez. Attends, est-ce que je vais y arriver? Ah bah non, ça marche pas. En fait, il y a une ouverture qui est censée s'ouvrir, vous savez, là vous tirez, ça ouvre tout, mais ça n'a pas trop marché. Ah, j'adore, en plus c'est un flacon pompe, donc c'est top top top. Ça nourrit, il y a écrit, et rafraîchit, donc c'est très très bien. Elle a l'air plutôt pas mal, ça je vais tester dès ce soir. Parce que j'ai fini justement mon dernier baume démaquillant qui vient de chez Stylvana. Je vous en ai parlé dans une vidéo favori et flop, je pense. Je vous la remettrai dans le petit, mais du coup je suis contente, j'ai un nouveau démaquillant là à glisser dans ma routine, donc c'est très bien. Et alors le dernier produit, c'est un toner, donc ça c'est cool pour resserrer les pores de la peau, je pense. Mais ils m'ont fait une routine complète là, c'est trop cool. Donc voilà, ça se présente comme une eau micellaire, mais c'est un toner pour le visage. En revanche, j'ai peut-être pas trop les propriétés pour une peau smooth, donc une peau vraiment bien nettoyée et clean, et avec un effet un peu lissant. Écoutez, pourquoi pas, c'est de la marque 1025, je ne sais pas, Cosmax, je pense, peut-être Cosmax. Bah, honnêtement, j'ai vraiment du mal à trouver les noms des marques sur leur packaging, mais là il y a des produits qui me font bien envie chez Stylvan. Et voilà pour mes derniers petits craquages. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pris chez Sephora, si vous avez craqué ces derniers temps, ou vos derniers achats. Est-ce que vous connaissez la routine, les secrets de Loli? Et surtout n'oubliez pas le petit mot bonus, enfin le petit mot, le petit smiley cœur, ou mettez-moi le mot cœur si vous n'avez pas de smiley. Voilà, comme ça je saurai que vous êtes intéressé par cette petite palette qui est trop canon. Sur ce, on se retrouve sur Instagram pour plus de nouvelles, et je vous dis à très très vite. Salut !